Amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans Téléjournal La Soya. Rapidement, mes principales informations n'a bien pour nous développer dans le journal La Soya. Président République la Jovenel Moïse fait une visite jeudi à Sonapi, chef l'État annoncé à partir jeudi à gagner un lot chita palais gouvernement à acteur qui concerne au pral entamé pour réfléchir sur une plus bonne gestion dossier salaire minimum. Non. Secrétaire général adjoint nation opération maintien la paix Nations Unies Jean-Pierre Lacroix mette bout jeudi 15 mars là dans mission li sous situation générale pays spécialement climat la paix. Pendant la visite, M. Lacroix, je t'ai parlé avec le président de la République, la Jovenel Moïse, et puis divers autres acteurs dans la vie nationale. Le ministre des Affaires étrangères avec Kiltla, Antonio Rodrigue, avec le ministre AI haïtien qui vit l'autre bord de l'Oyo, Stéphanie Auguste, prononcé aujourd'hui sur la situation qui a développé dans le niveau pédernal avec un chapitre entre haïtiens et dominicains, autorités haïtiennes, en communication constante avec l'autorité dominicaine pour garantir la sécurité. Protéger, respecter droits patriotes, compatriotes haïtiens, d'après ça, il fait qu'on est. Dirigeant compagnie téléphone Natcom, remettre à l'État haïtien un chèque 79 200 000 goudes comme dividende pour exercice fiscal 2016-2017. La cérémonie, ça, c'est occasion pour dirigeant compagnie de dresser bilan financier pendant la dernière année. Ça. Et puis l'autre bord de l'eau, après annonce Premier ministre britannique Theresa May pour le mettre dehors 23 diplomates russes sous territoire, la Russie a annoncé Bhopal li pral mette dehors plusieurs diplomates britanniques sous territoire paltou. C'est ensemble information ça n'a pour nous développer pour vous dans le journal La Soya. Restez avec nous, n'a tourner après. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup, wash. Désirable. Réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre les portes bien grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies, tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Guyel Mairie numéro 12. Ou bien relé dans 37 48 0220 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyens pour nous bâtir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps pour payer pour assurance vie, retenez un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça ou si gagne urgence l'hôpital, frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour être nous capables et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie n'est gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger vous et puis pour qu'elle ait confiance. Merci pour fidélité avec Téléjournal. Avant de rentrer dans le développement information, on a l'ouvrir page météo avec Wilner Polidor. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique journée. Temps très instable par rapport avec un fond qui a traversé nous
et nous parlons comment la situation est sous le bassin Caraïbes. Nous avons un fonds qui trouve dans le passage du vent et fonds ça a concerné l'île d'Haïti et l'a traversé nous du nord-est au sud-ouest. Ça veut dire aujourd'hui, il y a plusieurs départements qui sont concernés par l'activité de la pluie et la pluie sera capable de modérer à forte sous pays. Et en allant qui département yo, département nord, nord-ouest, nord-est et pointe sud-ouest, ça veut dire Grenens et sud a concerné par activité la pluie pour jeudi. Et la pluie ça a persisté en après-midi, en soirée et même au cours de la nuit. Il faut que nous précisions que région noire jusqu'à demain matin il doit gagner activité la pluie. Et pour cela, secrétariat permanent Cap Géris avec des as de concert avec UHM de moun qui était dans département nord avec nord-ouest dans quelques zones priorité vigilant parce que nous prévoyons capable gagner quelques inondations même si c'est pas inondation sévère. Mais on fait en pile précaution par rapport avec quantité de la pluie que nous prévoyons sous zone ça yo. Pour capitale avec zone qui environnelle son capitale cap jouit cap en bas instabilité, ça veut dire nuage avec la pluie pendant fin d'après-midi en soirée et au cours de nuit là c'est ça n'attend sous et capitale avec zone qui environnelle et majorité quartier yo t'a supposé concerné par activité la pluie pour jodi a. Pour température, nous avons température aujourd'hui qui a monté jusqu'à 33 degrés Celsius et puis la descente c'est 20 degrés. Pour la mer, c'est une mer qui est agitée sous côte nord, côte sud, mais le golfe de la Renavli peut agiter. Et par rapport avec l'activité la pluie que nous prévoyons sous la majorité des départements, ça va demander à Captain Abacassio précaution avec prudence parce que la visibilité a réduit par rapport avec l'averse la pluie qui a gagné sous la zone Sahio. Et pour page astronomique, soleil a couché à 6h59 jeudi à et l'a levé demain matin à 6h56. C'est tout ça que nous avons gagné pour la situation météorologique journée. Merci pour fidélité avec attention. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Bienvenue dans le développement information. Le président de la République, là, Jovenel Moïse, fait une visite journée jeudi 15 mars là, dans la Société nationale Parc industriel Sonapi. Visite ça rentrée dans le cadre du projet agrandissement Parc industriel métropolitain. Reportage Sabine Jean avec Naël Duvernay. Pour Koulia, c'est la première phase du projet agrandissement Parc industriel métropolitain qui est en cours. L'État doit finir dans le mois de juin qui est venu là. Première phase là, gen la donne construction 6 bâtiments parmi eux 2 factories, 1.9 km route ak service de base yo. Construction compagnie ANSE ak compagnie Wilbesio avancé à environ 49%. Responsable yo bay garantie délai pour finir chantier a respecté. Le travail accompli au niveau du projet depuis qu'elle en assure la gestion quotidienne et d'exprimer les appuis concrets lui permettant de le mener à terme dans le meilleur des délais. L'état d'avancement des travaux qui est passé de moins de 10% au moment de notre prise en charge à plus de 45% dans un délai de 2 mois environ. Et si nous obtenons le plein support de tous les acteurs institutionnels impliqués, d'ici le mois de mai prochain, au moins un ou deux bâtiments seront opérationnels. Président Jovenel Moïse a accompagné Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine avec plusieurs officiels gouvernement visiter chantier de compagnie Yo, ANSE et Wilbes, qui a été installé dans Sonapi. Chef l'État a encouragé tout Haïtien à contribuer à bay image positive de pays pour businessman qui vient investi en Haïti. Je ne pas courir dire c'est plus gros qui est dans le pays parce que moi pas contre toute l'autre. Mais ça me là dans là mesuré 13 000 m2, ça veut dire c'est un carotte plus 100 m2 parce que nous connons un carotte c'est 12 900 m2. C'est un carotte plus 100 m2 et c'est ça c'est un hectare plus 3000 m2 que nous campons là-dedans là, qui pourra le couvrir un seul coup pour nous créer des jobs dans le pays. Moi, je veux tout le monde qui a regardé, qui a attendu mieux. Pour comprendre que pas un pays sur la terre qui a parlé de développement là-dedans si pas une création d'emplois. Moi, je connais un pile haïtiens parfois qui parlent de qualité d'emploi. Mais j'aime toujours dire par une génération spontanée. Si nous avons besoin d'un pays meilleur dans 25 ans, il faut commencer à travailler aujourd'hui. Dans le côté nous, dans Sonapi, nous voulons parler du secteur textile. Son passage obligé que nous avons pour le pays aujourd'hui.
avec volume de jeunes que nous gagnons. Moun qui gagne des formations, nous connaissons ça, qui pas permettre que vous joignez des emplois qui allaient dans l'autre niveau. En attendant, moun si vous faites un travail pour vous. C'est pour ça que je vous dis, nous-mêmes, depuis là nous avons commencé, jusqu'à moi, mars 2018, là, nous camper derrière le secteur textile là pour nous profiter de loi Help Hope que les États-Unis ben nous qui permettent que nous exporter aux États-Unis sans droit de douane. Ça veut dire le entreprise vient dans le pays, il décide pour créer 10 000 emplois, nous-mêmes c'est tapis rouge pour nous pour les poulies. Le gros objectif projet ça, c'est arriver à développer capacité Sonapi dans la question infrastructure. C'est attirer un maximum d'investisseurs dans l'industrie textile là et puis créer environ 10 000 nouveaux jobs avant fin année 2019 là. Parc industriel métropolitain présent dans 6 zones, li dans commune Carrefour, dans centre-ville, dans commune Tabar, Delma, Pétionville et Croix des Bouquets. Dossier salaire minimum non relancé après visite président Jovenel Moïse fait jodia dans Sonapi. Chef l'État annoncé à partir jodia gagner un lot chita palais gouvernement pral gagner avec acteurs concernés qui pral entamer pour réfléchir sur yon pi bon gestion sous dossier salaire minimum non. En tant que président de la République, Jovenel Moïse cap expliqué. Ou même syndicat cap gardé cap tande là membre syndical m'a dit nous que c'est ensemble pour nous collaborer. Ministre Affaires sociales là qui là, directeur général Sonapi, ministre commerce qui là, premier ministre, moi-même qui président, directeur Fatma, tout le monde ensemble, c'est pour nous arriver chita parler, pour nous toujours joindre un bon terrain d'entente pour permettre et ouvrir au content et syndicats jouer rôle et l'État haïtien protéger force travail ouvrir. Mais c'est pas dans rien. Nan goumen on a clot. Nan vini pour craser, briser. Nan vini pour laguer factory chaque jour. Parce que ça paye à boucaclé. Image chaque semaine, son grève à droite, son grève à gauche là, Haïti pas mérité ça encore. Côté nous rivé aujourd'hui, nous besoin un pays côté pour attitude moun k'ap travaille dans l'État. Attitude moun k'ap travaille dans secteur privé. Faut attitude yo changer. Le gros problème, on met tête ensemble. Gon affaire qui toujours parler chaque année. Ça fait salaire minimum. On prend responsabilité comme président pour me parler de ça aujourd'hui. C'est pas salaire minimum qui pour venir faire toute factory dans pays écrasé. Non, c'est pour syndicat chita avec ministère affaires sociales qui gagne un conseil supérieur salaire pour nous chita depuis dans mois mars là. Syndicat, conseil supérieur salaire, patron pour nous joindre une solution pour nous pas obliger à l'écraser briser. Parce que là, nous avons crasé le budget, il y a eu ça, instabilité. Et instabilité, ça le porte pour la misère. Si nous avons besoin de pays pour nous mettre sur route de changement tout bon voyage, c'est la stabilité politique, c'est ça pour nous créer. Qui j'aime te dire dans la campagne, la stabilité politique est le premier des biens publics. L'autre information dans le journal là, dans l'occasion d'une conférence spéciale, le ministère de la Communication à Kilti recevoir jeudi 15 mars, le ministre des Affaires étrangères à Kitla, Antonio Rodrigue, avec le ministre AI haïtien qui vit l'autre bord de l'Oyo, Stéphanie Auguste. Dans l'occasion, le ministre Antonio Rodrigue parlait sous situation qui a développé dans le niveau pédernal avec un chapitre côté gagnant tension depuis une semaine qui touchait plusieurs compatriotes haïtiens. Ministre Antonio Rodrigue expliquait autorité haïtienne en communication constante avec autorité dominicaine pour garantir sécurité, protéger, respecter droits compatriotes haïtiens qui vivent dans la zone pédernale et en façon pour permettre relation en deux pays yo rete normal. Yon extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint. La situation ça a commencé à partir de yon meurtre qui était fait là-bas côté gain deux monde deux dominicains que yo tué et yo dit yo attribué crime ça à haïtien. Yo parlé de yon ou de deux haïtiens qui étaient commettre crime ça et jusqu'à présent nous mettons au conditionnel parce que ou pas personne pas coupable tant que yo pas jugé ou trouvé que yo même c'est yo qui vrai auteur. Donc le crime ça a fin fait, le monde a fin mourir, dominicain qui dans zone là, yo fâché, yo irrité et yo commencé à faire des propagandes anti-haïtiens. Côté yo même, yo dit que yo mandé pour tout haïtien qui là
dans la zone là pour quitter le pays. Hein. Ils ont voulu que moun yo di ki te soit disant di se yo te commet crime là faut yo remettre à autorité dominicaine. Donc étant donné que yo pas de joindre satisfaction, donc c'est ainsi que yo commencé à pourchasser haïtiens. Yo dit que yo fait des bah mauvais traitements, gagne des persécutions, courir yo na sa joindre. Une fois qu'on apprend ça au niveau des affaires étrangères, nous avons communiqué avec nos diplomates en République dominicaine, la chargée d'affaires d'Haïti à Santo Domingo et consul d'Haïti à Barona. Nous avons dit qu'il y a quelques mois, nous avons installé au niveau de Pédernal une antenne consulaire. Une antenne consulaire, ce n'est pas un consulat, mais c'est un agent consulaire. Un diplomate que nous détachons du consulat d'Haïti au Barona, que nous voyons chaque semaine à l'Ampédianal pour capable assister Haïtiens, pour capable surveiller le flux de migrants entre Haïti et République dominicaine et toute l'autre situation. Donc, nous avons toute instance qui était là-bas sur place pour faire investigation, pour capable connaître ce qui est fait. C'est ainsi que l'ambassade d'Haïti en République dominicaine prend contact avec les autorités, les plus hautes autorités dominicaines pour demander, pour prendre des mesures pour garantir la sécurité et la vie de nos compatriotes, de citoyens haïtiens qui vivent dans la zone. Conférence pour la presse, c'est une occasion tout pour le ministre AI haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, Stéphanie Auguste, présenter la situation environ 250 familles qui quittaient la République dominicaine, qui viennent en sapitre. Ministre Stéphanie Auguste a annoncé qu'il y a une délégation qui allait en sapitre jeudi à rencontrer élu local pour garder Sayo Café en urgence pour bien accueillir la famille Sayo. Nous avons extrait dans le micro Rachel Saint-Forac, Fresnel Toussaint. Actuellement, en sapitre qui n'est pas paré, si nous dit pour te joindre à flux de monde Sayo. Si je ne me trompe pas, le délégué a dit que nous avons environ 250 familles déjà qui viennent. Et malheureusement, nous venons dire avec Rad Soukoyo parce que c'est peur, c'est panique. Si nous comprenons bien, depuis que nous sortons des meutes dans un pays étranger, premier, ça, ouais, c'est quitter toute barrière parce que la vie est plus importante. Alors, ministère des Affaires sociales, avec le bras technique qui est ONM, nous avons essayé rapidement porter un secours en dit d'urgence by famille haïtienne ça qui poko ça vraiment parce que nous connaît faut que nous aménager logement faut que nous garde qui gens pour nous accueillir pour nous bailler un accueil digne parce que déjà yo senti yo humilié pour yo venir là c'est vraiment pour nous bailler un bon encadrement d'accueil et kounya gouvernement rapidement matin sous instruction président République, le président Jovenel Moïse, premier ministre a fait en convocation à l'extraordinaire sous commission pour former une commission rapide et pas plus tard que dans quelques minutes nous déjà gain en commission interministérielle qui râler directement en sapid à rencontrer les élus locaux, délégués, députés, magistrats, tout le monde qui est dans la zone pour nous chita, pour nous parler. Et ça qui est important pour nous, qui gens nous ka bien recevoir, qui sa gouvernement a fait en urgence, parce que c'est une situation d'urgence, pour nous recevoir famille sa yo, parce que gen grand monde, gen ti monde, gen femme enceinte, gen toute une population qui est vulnérable, pour nous faire un meilleur accueil pour eux. Je vais tout lancer un appel tout by et population qui bon côté Haïti en sapit ça son appel même gens n'importe haïtien té ka fèl nous joindre des haïtiens qui vini qui on nous dit qui déraciné parce que gen qui pas même qui pas de fête on dit et en Haïti qui pas konn Haïti et puis yo vinn retrouver en sapit yo konn kou yo perdu alors son appel que me fait tout à mon en sapit yo pour yo ouvert porte yo pour aider parce que moun sa yo fòt nou asyre qu'on y a intégration dans société a. Yon commission qui gen la dan, yon commission interministérielle qui gen la dan le ministre intérieur collectivité territoriale là Max Rudolph Saint-Albin, ministre justice et sécurité publique là Eddy Fortuné, ministre jeunesse et sport et action civique là Régine Lamure et puis ministre haïtien qui vivent à l'étranger Stéphanie Auguste rencontré élu local commune en Sapit jeudi 15 mars là. Dans le cadre de Chita Palessa, différentes autorités ont discuté sur ensemble mais l'état doit prendre
pour encadrer ressortissants haïtiens qui ont quitté la République dominicaine à cause de persécution. En suivant extrait. Nous là, dans une délégation, pour nous venir, tenter, comprendre ce qui a passé là dans un chapitre. Évidemment, nous, tant que tout le monde, le gouvernement, tendait tout ce qui s'est passé. Je dis à deux approches. Premièrement, nous venons sur le plan humanitaire. Nous avons des frères, des sœurs, des haïtiens, haïtiennes qui sont en difficulté. Nous venons garder et comment au mieux nous sommes capables d'appuyer. C'est ça que nous venons garder là. Et c'est ça, le ministre des Affaires sociales se dit là. C'est ça, ONM, engagement ça. L'administration Moïse Lafontaine, c'est l'engagement ça que nous venons prendre là aujourd'hui. Et d'autre part, et c'est là qui me dit qui est plus important, sur le plan diplomatique, côté ministre des Affaires étrangères, là, ministre AIA, a travaillé avec l'autorité dominicaine pour le plus vite possible, pour la sérénité rétablie, pour que tous deux peuples apprennent à vivre en frères et sœurs, tant que Jean Sakonye. Sur le plan juridique, il y a des dispositions qui prennent tout et me garantit que droit haïtien que ou vivre en Haïti, que ou vivre en terre étrangère doit à respecter. Donc c'est message ça que nous dégainer nan non chef gouvernement, nan non président république là, c'est mission ça que dégainer pour nous devine garder jodi nan en chapitre. L'autre information dans le journal, ça, secrétaire général adjoint, opération maintien la paix, Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, mettait bout jeudi 15 mars là, avec mission li, sous situation générale PIA, et spécialement climat la paix. Pendant visite ça, M. Lacroix, chita parlé avec le président de la République là, Jovenel Moïse, et puis divers autres acteurs dans la vie nationale là. C'était occasion tout pour secrétaire général adjoint, féliciter le président de la République là, pour le travail la réalisé, surtout avec caravane changement. Et on extrait dans le micro, Esaïe Aurélius avec Joseph Michaud. Les Nations Unies sont déterminées à continuer à travailler avec le gouvernement haïtien pour consolider ses acquis et soutenir les avancées futures du pays dans la réalisation des objectifs de développement durable. J'ai réitéré auprès de Son Excellence, Monsieur le Président Moïse, l'esprit de solidarité qui guide les Nations Unies à l'égard de Haïti, membre fondateur de l'organisation. La MINUSUST et l'équipe pays des Nations Unies sont engagées à soutenir les efforts et les priorités du gouvernement. Ma visite a été l'occasion d'approfondir le dialogue avec le gouvernement et de promouvoir une cohérence renforcée dans l'action des Nations Unies en soutien à la mise en œuvre de ses priorités. Nous avons souligné l'importance qui s'attache à travailler conjointement à la préparation de la transition de la MINUSUST vers une forme de coopération autre qu'une opération de maintien de la paix, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Les Nations Unies saluent la détermination du président de la République de Haïti à améliorer la vie quotidienne des Haïtiens à travers le projet Caravane du changement et soulignent l'impact positif que la mise en œuvre des priorités définies dans ce projet peut avoir sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes dans les domaines des infrastructures, de l'environnement, de l'agriculture, de l'électricité, de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'assainissement. En ce qui concerne la lutte contre le choléra, j'ai réitéré l'engagement personnel du secrétaire général des Nations Unies en appui aux efforts déployés pour mettre fin à ce fléau. À cette fin, le secrétaire général et son envoyé spécial, Mme Josette Sheeran, ont mobilisé des acteurs du secteur privé particulièrement engagés dans le domaine des finances, de la santé et de la technologie pour soutenir le gouvernement et le peuple haïtien, associer leurs efforts à l'ambitieux programme global de développement d'Haïti et contribuer à attirer les investissements dans ce pays. Nous avons par ailleurs souligné lors de nos entretiens la nécessité du renforcement des institutions dans le domaine de l'état de droit et des droits de l'homme, qui constitue une base indispensable pour la poursuite du développement. Nous sommes convenus de poursuivre une coopération étroite sur toutes ces questions. Responsable Solidarité Active pour Bataille Consommateur Haïtien, Salcon, clôturé jeudi 15 mars, la deuxième journée colloque international sous problème consommation en un pays. Dans l'occasion, plusieurs personnalités dirigeaient différents ateliers pendant la deuxième journée, parmi eux ambassadeur Haïti dans CARICOM Peterson Benjamin Noël, avec directrice normalisation Michel Poultre.
Porte-parole Salcon, Yvener Faucheteur, Joseph, annoncé en campagne sensibilisation dans quelques écoles pour élèves 3e secondaire, Rive Philo, qui visait à apprendre plus sous droit consommation. En suivant extrait. On a lancé formation dans les écoles. C'est un programme que nous faisons, côté nous allons en classe 3e secondaire et 3 Philo, tous les vendredis pour nous passer dans l'école, pour nous gagner minimum 15 à 30 minutes pour nous parler à Timounio, pour nous montrer la nécessité pour un comportement responsable. Ces mêmes gens, nous sommes pays à risque en termes sismiques, en termes catastrophe naturelle, t'es doué en dans l'école, en dans l'université, en dans l'église, en dans l'enfant, pour y parler mounio de ça, pour automatiquement qu'on problème qui arrive, pour mounio qu'on comportement responsable. Ça, rapidement, population en cas. Attendre et aider nous faire, c'est chaque fois qu'il a acheté un côté. Depuis son côté qui est formel, ça veut dire qui ça? Depuis ce n'est pas un d'un marché ou entrer, côté de ce marché, on n'a pas de facture pour le bas où, il faut commander reçu. Mander facture, tout ça ou acheter dans le pays. Si mon nando ou paye TCA, il faut que l'on affiche sous reçu. Quelle qu'on soit la façon. Pour qui ça? C'est parce que vous avez besoin de facture ça pour leur faire déclaration définitive d'impôt ou pour prendre tout reçu ça, toute facture ça pour 10 DGI, mais dépense moins par mois ou bien par année. Donc, leur demande de payer X dans la déclaration définitive d'impôt sauf fait de dépense ça. Donc, DGI a déduit, la retiré la donne, il permet de payer plus petit leur faire déclaration définitive d'impôt. Ça, son comportement responsable pour n'importe qui consommateur. Parce que nous pas gagné. Donc, coloc là, premier bagaille, il y attend, ouais, citoyen ou consommateur, qu'on y a exigé facture. Deuxième bagaille, c'est encourager consommateur pour yo garder ça à acheter. Même si ou pas un expert, ou t'as qu'à ouais, ingrédient ou météo, il y a bien tel effet. Mais par contre, ou ka gade si produit a expiré, pas ni acheter son bagat ça. Ou capable tout garder si ou diabétique, quantité sucre qui dans tel produit. Quantité sel qui dans tel produit si ou hypertendu. Collectif défenseur plus dans tête collé avec organisation citoyen pour une nouvelle Haïti, CNH ak action universelle droit à liberté lancé jeudi 15 mars 2018 là, ils ont plaidoyer pour renforcer le système l'état civil haïtien. Projet ça visé informer et sensibiliser la population sur l'importance acte de naissance gagné dans ça qui gagne avec le droit à l'identité. En suivant extrait dans la déclaration Antonal Mortimer. Une série de violations de droits humains qui découlaient des problèmes d'identité ou encore problèmes d'état civil dans le pays. Faut ne pas oublier question grand document d'identité son droit et ça fait partie des droits civils et politiques, ça veut dire droits humains de la première génération. Et moun ki pa gen possibilité jwe droit à l'identité, li difficile pou le sikile libre. Donc une série de droits et libertés qui réduit et les ou pas jwe droit ça qui garantit pas constitution, code civil haïtien, qui garantit pas la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc automatiquement ou dans situation pa ka jwe l'autre droit. Moun ki pa gen identité pa ka gen accès à la santé, pas qu'à garder l'éducation, pas qu'à garder le logement social, et pas qu'à participer dans la vie publique et politique pays. Question de droit à la participation, il pas qu'à jouir ça. Droit politique, il pas qu'à électeur, pas qu'à candidat, il pas qu'à mandataire, pas qu'à même observateur actif dans la question élection ou bien l'autre mouvement politique. Donc nous-mêmes, nous croyons qu'on sait des problèmes politiques, qu'on sait des conflits. On sait des problèmes qu'il y a avec migration, qu'il y a avec violence policière, qu'il y a avec on sait des temps proches des tensions, il y a sorti justement des problèmes identitaires de pays. Et dans ce sens, nous pensons pour l'État même régler la question de migration irrégulière qui vient jeudi vers la République dominicaine, vers les pays de la Caraïbe, vers les pays de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, il faut que nous résoudre le problème identitaire. Parce qu'il faut identifier qui moun ou gagne pour capable prendre défense moun sa. Dirigeant compagnie téléphone Natcom yo remet by l'État ici un chèque 79 200 000 gouttes comme dividende pour exercice fiscal 2016-2017.
Cérémonie ça a été occasion pour dirigeants compagnons de dresser bilan financier pendant dernière année ça. Kouat Douisson, vice-président, félicité collaboration population avec l'État haïtien. Gouverneur Banque Centrale là, Jean Baden Dubois, vanté GFONAT comme fait pour porter service technologie et puis aide dans affaires sociales en dans pays. Sous Bopal, Ronald Décembre, encourager population à faire compagnie en tous les affaires payo, une façon pour aider le porter plus dans la recette de l'État. En suivant. Chaque Haïtien a intérêt à s'approprier de cette société mixte pour qu'elle puisse rapporter des dividendes à l'État haïtien et contribuer à l'augmentation des recettes fiscales. Aujourd'hui, la NATCOM veut aussi contribuer à doter le pays de cadres qualifiés. Ainsi, le conseil d'administration a soutenu fermement et obtenu de Viettel l'octroi de 30 bourses d'études pour des formations d'ingénieurs à des jeunes haïtiens qui auront la possibilité de se spécialiser dans les domaines du génie et de la technologie dans les universités vietnamiennes internationales. La formation de ces étudiants dans les universités vietnamiennes doit aussi favoriser l'intégration haïtienne sur le plan technique dans l'entreprise. C'est une fois louable, mais aussi c'est la preuve d'une grande transparence dans la gestion de l'entreprise. Vous savez que les coûts de production sont élevés dans le pays. Faire du business dans le pays nécessite une bonne gestion, une bonne appréhension des questions financières pour que l'on ait des résultats escomptés. Et c'est ce que vient de prouver la NATCOM aujourd'hui en dégageant cette dividende en faveur de l'État. Les amis téléspectateurs, après l'observer en pause dans le journal là, pourquoi elle est là, restez avec nous, on va tourner avec l'autre information. L'émission phare de la TNH, Télégénie, vous revient cette année. Et oui, avec une nouvelle énergie et de nouvelles couleurs, Télégénie vous revient tout feu, tout flamme et annonce déjà la couleur sur vos petits écrans. 12 équipes venues de 12 établissements scolaires du pays, 84 joueurs qui vont déployer tous leurs talents et leur intelligence pour remporter le trophée au cours des 25 matchs de la compétition. Soyez là devant votre téléviseur et suivez les matchs en direct à partir du 10 mars 2018 sur la Télévision nationale d'Haïti. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Levez caoutchouc sin top tête chat ça yo encore. Mais pas gamin, c'est sale caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou va joindre tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier top taise. C'est fun wash, chire route, gauche clou. Ah, gonji boule m'bajoué. Vendez-moi 4 caoutchoucs. De quel grosseur vous voulez? Quoi? Top Tires, c'est fun wash, chire route, gauche clou. Chaque jour, c'est journée à travail pour le barou. Oui,
Jugo, c'est un produit séjourné. Bienvenue dans la deuxième tranche journal. Là, on a poursuivi avec information. Yo, commission permanente agriculture et sécurité alimentaire, chambre députée a organisé. Il y aura un travail avec le ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, là, Carmel André Béliard, sur plusieurs problèmes secteur agricole là, à rencontrer. Tant coup, problème sécheresse, sémences, de l'eau qui manquait pour user. Plantation d'Irio à Krat Cap détruit plantation paysan yo. Président de la commission agriculture et sécurité alimentaire, député Samuel d'Haïti, m'a des ministres là pour résoudre divers problèmes secteur agricole là a fait face et puis renforcer secteur. Député Samuel d'Haïti, t'es dans micro Moïse Wilbridge en côté. Parler des problèmes que nous avons déjà en conférence de presse sur lui. Problème sécheresse qui t'a ravagé la vallée de l'Artibonite. Problème rongeur qui t'a fini avec toute plantation paysanne dans le pays. Hein? Problème d'introduction de semences sans autorisation du ministère. Problème de la campagne d'hiver. Problème et planification de la campagne de printemps. Et de même aussi, problème de fertilisants, ça nous est les engrais. Hein? C'est pour ça, ensemble de points ça que nous arrivons à soulever. Et là-dedans, inquiétude que nous avons par rapport à l'intervention ministre là. Nous espérons que, eh bien, dans le jour qui vient, il y a une solution qui va le porter. Nous concluons, le ministre conclut que, eh bien, il y a un appui et prise en considération qui va le faire au niveau de la vallée de l'Artibonite pour planteurs qui perdent du jardin. Yo. Et il dit que, bon, mission, qui a bien en tête le directeur général du ministère, il va l'accompagner avec le directeur général de l'ODVA pour qu'ils fassent une visite, pour qu'ils fassent une évaluation. Pour comment que yo capable porter appui yo par toute planteur qui perdit du riz dans vallée l'Artibonite. Ministre agriculture et ressources naturelles et développement rural là Carmel André Béliard promet Gemezi qui va le prendre pour accompagner pour renforcer secteur agriculture et l'autre bord ministre là fait qu'on a une diligence qui va le faire pour accompagner paysans yo surtout dans moment sécheresse là et puis permettre yo bénéficier engrais semences. Carmel André Béliard t'es dans micro 5 quoi pas qui avec Moïse Wilbridge en côté. Discussion est assez productive. Nous sommes conscients de une série de remarques que la Commission fait. Nous répondons à toutes les questions. Bien question, nous acceptons les gens qui ont posé problème. Nous disons qu'il y a une exagération dans l'appréciation des résultats. Et nous faisons comprendre que le ministère n'est pas jamais absent. Il est toujours présent, même surtout au niveau de la vallée de l'Artibonite. Donc, il y a un problème assez important qui est posé encore, c'est la gestion de l'eau. Parce que nous connaissons la gestion du fleuve Artibonite, là, il est partagé entre deux entités vraiment concernées. C'est l'ODVA qui représente le ministère de l'Agriculture, particulièrement pour l'encadrement, pour la régulation, la distribution de l'eau au niveau des parcelles des exploitants. Et nous avons EDH, en amont, qui besoin de l'eau pour l'électricité. Donc, c'est toujours en bataille entre production agricole et électricité. Donc, nous expliquer tout problème ça vient tomber dans le cadre d'une saison qui est assez délicate. C'est la saison sèche qui gagne dans la vallée. Et que ODVA lui-même a confronté des problèmes de stockage d'eau au niveau de lac là, donc on est au dévers sédimenté et lac Péligla sédimenté en pile, qui vient faire que monsieur n'a pas gagné assez de l'eau pour faire fonctionner tubini obligé Kimbel. Donc nous avons fait des promesses. Pour une promesse que nous fait et que nous demandons collaboration commission, hein, c'est que nous pas attendre l'autre invitation encore. Le problème, c'est aussi tellement délicat et urgent, nous demander accompagnement commission. Donc, c'est ça qui fait que dès après rencontre ça, nous avons d'autres rencontres particulières que nous pouvons faire avec les différents membres de la commission pour accompagner nous dans le suivi toute résolution que nous soutenons là. Tant que régulation a fait de l'OA, bon, l'autre bas est sensible qui est touché là, c'est le problème des engrais. Nous faisons sortir avec une nouvelle stratégie. Ouais, pour que bénéficiaires et exploitants soient capables d'avoir accès beaucoup plus facile
et à l'engrais subventionné. Nous pourrons le partager avec la commission tout pour faire des remarques. De même que nous demandons appui dans l'autre campagne qui va venir, particulièrement campagne printemps, pour aider nous, surtout dans un budget, pour que nous soyons capables de joindre des ressources disponibles qu'il faut pour faire face à cette campagne. Nous avons toujours été bon côté parlementaire, un groupe député dans la chambre basse là organisé un rencontre travail avec ministre de la Santé publique avec la population Marie Gretawa Clément, avec ministre travaux publics la Fritz Kayo et puis directeur général d'INEPA Guito Edouard sous de l'eau population a consommé. Ancien président commission santé chambre basse là député Sinal Bertrand mandé autorité concernée d'INEPA avec ministère de la Santé publique pour chercher cause contamination de l'eau population a consommé. Un excellent micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge. Nous avons questionné trois ministres, plus DG d'INEPA, sous déclaration et Dominguez Brito, qui est ministre environnement République dominicaine, qui a dit que 95% de la population a boit de la latrine. Nous avons, ça fait 5 mois de cela, nous avons invité d'INEPA à la santé publique, nous avons questionné. Sans ne pas connaître si le ministre environnement a fait une déclaration pareille au niveau mondial. Pour y avoir testé de l'eau, et bien, je vous dis à notre attendre pour nous joindre, est-ce que c'est vrai que l'eau mondiale a boire de l'eau latrine ou bien est-ce que ce n'est pas vrai? Jusqu'à présent, il n'y a pas gagné des informations. Nous avons 2-3 mois encore pour y aller tester de l'eau et puis pour venir éclaircir devant la population, est-ce que c'est de l'eau latrine qui a boire dans la zone métropolitaine ou pas? Et bien, c'était questionnement ça où nous sommes venus. Nous tout annoncé, ministre de Santé, nous allons questionner sur diphtérie, si mon cap mourit. Nous parlons de question d'elle sous question des chaises solides, n'a parlé de DINEPA, de TPTC. Nous parlons de question tout sous et si mon cap mourir, est-ce que nous pas faire vis-à-vis avec Gavi et est-ce que nous pas faire vis-à-vis avec OPS OMS, UNICEF pour nous garder est-ce que nous pas d'agent vaccin pour empêcher si mon yo mourir parce que pentavalent normal nous connaît l'important mais si mon yo pas cap mourir dans diphtérie sans pas bail deuxième dose qui allait directement dans la diphtérie. Sous Bopal, ministre de la Santé publique et de la population, Mme Gretawa Clément expliquait qu'il y a une démarche à plusieurs institutions qui travaillent dans la question assainissement pour le fait pour qu'on ait si vraiment 80% de la population haïtienne a consommé de l'eau qui est contaminée. Le ministre de la Santé publique l'a dit plus loin, il n'y a pas qu'à joindre un cas qui a montré qu'il y a de l'eau population a consommé qui est contaminée. Il y a un excellent micro Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge. Il y a un problème de l'eau, effectivement, surtout en milieu rural. En pile, monde n'a pas accès à de l'eau potable. Il y a un problème de l'eau, effectivement, même pas dire que 95% de l'eau dans le monde qui consomme de l'eau, c'est de l'eau souillée que vous consommez. Sinon, nous connaissons que de l'eau qui n'est pas de bonne qualité a un pile impact sur la santé. Et il y a un impact que vous avez, ce sont les diarrhées aqueuses, par exemple. Et nous connaissons qu'en Haïti, chiffre ben nous que diarrhée, c'est la 6e cause de morbidité. Donc ça veut dire que ce n'est pas totalement vrai que 95% de monde consomme de l'eau dans le puits. De l'eau qui souillée. Sinon, nous avons plus de cas de diarrhée. Tout le monde a de diarrhée. Donc, mais de toute façon, nous avons pour nous travailler sur l'accès et de l'eau, sur la qualité de l'eau. Donc, c'est ensemble. Jean nous t'étant de quelques députés te dit, c'est ensemble nous qu'a fait. C'est pas un seul secteur capable de travailler sur lui, mais tout secteur qui peut travailler ensemble sur l'eau. De l'autre côté, ministre de la Santé publique et de la population, Mme Marie Gretawa Clément, démenti remake circulé sur les réseaux sociaux comme quoi gagné l'hôpital Canapé Vert qui est en quarantaine après autorité sanitaire a fin découvrir un patient qui a fait attaque diphtérie. D'après le ministre de la Santé, c'est l'hôpital Canapé Vert Pito qui a mis un patient en quarantaine après il a arrivé suspect qu'il fait une attaque diphtérie. Puis le ministre fait qu'on a gagné une campagne vaccination contre diphtérie qui lancé depuis 11 mars passé. La campagne est déjà lancée. Est déjà lancée dans 9 départements parce que la campagne diphtérie que nous commençons depuis le 11, est supposée couvrir 40 communes. Nous n'avons pas fait sortir aucune note. Sur les réseaux sociaux, il dit que le ministère de la Santé publique mettait en quarantaine l'hôpital du Canapé Vert, qui n'est pas vrai. Il y a un cas suspect. Nous connaissons ça, ça veut dire suspect, tout autant qu'on n'a pas fait prélèvement. Tout autant qu'on n'a pas de résultat test laboratoire,
ou pas qu'à confirmer que ça, que cas ça et c'est diphtérie t'es gagné vraiment. Donc gros cas suspect, toute procédure que supposé fait pour capable confirmer cas ça, pour capable confirmer si on monde gagne diphtérie, toute procédure ça est en cours. Mais lorsqu'il y a suspicion de n'importe quelle maladie, surtout maladie qui est transmissible, faut qu'on capable mettre mon nom en isolement. Donc c'est ça que l'hôpital du Camapé Verte fait, c'est mon ça que yo mettez en isolement, mais l'hôpital en soi n'a pas été mis en quarantaine comme on le dit sur les réseaux sociaux par le ministère de la Santé publique et de la population. L'autre information dans le journal là, dossier transaction yo fait en goutte, gestion fonds Petro-Caribé, remaniement ministériel, c'est sous ensemble point ça yo. Parti politique rassemblé pour sauver la caille parasol prononcé jeudi 15 mars là. Responsable parasol là, Yvon Bonhomme, profiter saluer courage Premier ministre là pour façon les accompagner victimes marché en fait avec marché dit fort. Nous extrêmement dans micro Midray Emilias avec Moïse Wilbridge. Parti politique parasol a dit les saluer façon que Premier ministre là a géré question maman avec papa petite qui gagne toute marchandise yo boulé dans marché en bas la ville. Parti politique parasol prend note tout de tout effort qu'a fait pour que le Premier ministre soit capable de faire stabilité politique là qui c'est bien commun tout peuple haïtien. Parti politique parasol a salué le sens de responsabilité du directeur général du BMPAD en parlant de monsieur Ignace Saint-Fleur. Nous même comme parti politique n'a demandé trois bagailles. N'a demandé identification et non seulement identification qui est-ce qui dépose des gaz là et tout n'a demandé sanction. Et après sanction, n'a demandé concours la presse pour capable témoin oculaire c'est qui le y a retiré gaz poison ça en dans pays là. Parti politique parasol dit li apprécié et le content le sens du devoir, le sens de responsabilité. Les gouvernements, à travers le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, remettez devise nous, good nous fait fierté nous en valeur. Question Petro-Caribé, ou le fait un alibi pour population, pas joindre ça l'a cherché à justice, au soir lumière, sous crime financier qui fait contre pays pendant 30 à 40 dernières années. Jean Negui a géré le dossier Petro-Caribé. Son façon pour pas arriver sous question CRH là, pour camoufler les gens, pour la lumière pas faire sous l'argent gagoté dans CRH là. Secrétaire général syndicat maternité Isaïe Gentilla, Jean-Edgar, mandé autorité l'État yo prend responsabilité yo sous ensemble problème l'hôpital là a fait face dans dernier jour sa yo. Secrétaire qui t'a parlé dans cadre d'une conférence pour la presse jeudi 15 mars là fait qu'on a l'hôpital là pas qu'à fonctionner bien à cause problème insécurité. Yo extrait dans micro Eliezer Okolo ak Toussaint Fresnel. Syndicat maternité Isaïe Gentilla et a présenté jeudi à pour nous annoncer à population et à l'État et quelques dérives qui a passé et dans maternité a depuis bien quelques jours qui rendent que personnel l'hôpital là a vivre dans stress dans et sous tension dans la pérèse et qui ça qui suscite toute vive tension ça pérèse ça donc bien des individus et qui et laissé au influencé par des bras politiques, eh bien, qui a fait des pressions dans la maternité, et qui fait que ils ont arrivé et même frappé physiquement et des employés dans la maternité. Tant que le président syndicat qui a été frappé lui physiquement, et même j'en vous dis que l'hôpital là qui était lui-même vite machine crasé, et parce que l'individu a estimé que. Yo même yo ces jeunes, yo besoin manger pour manger, yo besoin travail, tout bête jeune modé, et ben yo même yo choisi pour yo capable et tirer des ressources, des revenus dans l'hôpital là. Pourquoi il est là d'après regarder comment situation présentée le sous plan international après annonce Premier ministre britannique Theresa May pour le mettre dehors
23 diplomates russes sous territoire. La Russie, beaucoup de pas l'annoncer, il pral mette d'ailleurs plusieurs diplomates britanniques sous territoire par tout. Moscou fait qu'on ait une décision ça, pas campé sous rien pendant le qualifié de irresponsable d'en suivre. Après mes Londres adopté contre Moscou dans affaires espions russes empoisonnés, président russe Vladimir Poutine annoncé beaucoup de pas lui pral mette d'ailleurs plusieurs diplomates britanniques qui sous territoire russe là. Moscou qualifie décision l'ordre dans affaire empoisonnement espion russe Sergei Skripal sans sens et puis irresponsable. Mercredi 15 mars, la Premier ministre britannique Theresa May a annoncé qu'il pral mette dehors 23 sous 59 diplomates russes qui accrédités dans le Royaume-Uni. Diplomates sa yo gen yon semaine pour quitter le territoire britannique. Lan. Yon dot bo ken mam famille royale britannique lan pap assisté Coupe du monde football la kap déroulé pendant l'été année 2018 la nan pays Russie. Moscou mande Londres pour voyer un échantillon de substance qui était utilisé dans l'empoisonnement ça 4 mars passé. D'après Londres, c'est à Novichok, un poison Union soviétique l'a été fait dans années 70 à 80. Sergei Skripal avec petite fille qui empoisonné toujours hospitalisé dans un état grave. Ambassadrice américaine dans les Nations Unies fait qu'on est la Russie doit bailler détail sous affaire Sergei Skripal là, ni qui allait préciser. Conseil sécurité a doué forcer la Russie by explication sous dossier ça en suivre. Affaire Skripal là la cause un affrontement dans diplomatique spécialement dans Conseil sécurité l'ONU. Ambassadrice américaine dans l'ONU Nikki Haley mandé Conseil sécurité pour réunir précipité dans l'idée pour adopter mesures contre Moscou. Au Conseil sécurité a pas suspendu contre toute utilisation d'armes chimiques dans toutes circonstances. Jounen jodi a yo akize youn nan mam yo pou tèt lap itilize zam chimik sou teritwa yo lòt etat mam, dapre ambasadris Ameriken Nikki Haley. Ambasade rus nan louni an Vasili Nebenzia dimanti tout akizasyon yo fè kont yo. Kote li fè konen peyi la Risi pa gen anyen pou wè ak empoisonman Sergei Skripal la. Li exije pou gen prev ki bayi nan dosye sa. Yon lòt bo, Kremlin pa pedi tan pou repon ak sanksyon Britanik pran ayè merkwedi a pou voye ali 23 diplomat rus. Pour assister tout dans la Coupe du monde football qui a fait dans le pays la Russie. Téléspectateurs, il est arrivé le moment pour nous mettre un point final dans le journal là Asoya. Rapidement, mes principales informations qui étaient arrivées développées dans le journal là. Président de la République, là, Jovenel Moïse, fait une visite jeudi à dans Sonapi. Chef de l'État a annoncé à partir jeudi à gagner un lot chita palais gouvernement avec acteurs qui concernaient au préalable entamé pour réfléchir sur une plus bonne gestion dossier salaire minimum là. Secrétaire général adjoint opération maintien la paix Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, mettait bout jeudi 15 mars là à commission lit sous situation générale PIA, spécialement climat la paix. Pendant visite ça, M. Lacroix, chita palais avec président République là, Jovenel Moïse et puis divers autres acteurs dans la vie nationale là. Ministre des Affaires étrangères et culte là, Antonio Rodrigue et ministre AI haïtien cap vive l'autre bord de l'eau, Stéphanie Auguste a été prononcé aujourd'hui sous situation cap développée dans niveau pédernal et en sapitre entre haïtien et dominicain, autorité haïtien yo en communication constante avec autorité dominicain yo pour garantir sécurité, protéger puis respecter droits compatriotes haïtien yo. D'après ça, yo fait qu'on est. Et puis dirigeant compagnie téléphone Natcom, il remet par l'État ici un chèque 79 200 000 goudes comme dividende pour exercice fiscal 2016-2017. La cérémonie ça a été occasion pour dirigeant compagnie de dresser bilan financier pendant dernière année ça. Et puis l'autre bord de l'eau, après annonce Premier ministre britannique là, Theresa May, pour le mettre dehors 23 diplomates russes sous territoire, la Russie répond côté l'annoncé sous Bopal, il pral mettre dehors plusieurs diplomates britanniques sous territoire paltou. Journal La Campella, restez avec TNH d'Haïti pour suite programmation.